صراحة دريم سخال فريستايل تاخد معي صراحة دريم صراحة دريم سخال فريستايل تاخد معي Bonjour Moïchi. Est-ce que tu peux un peu te présenter et nous parler de ton parcours? Moi, j'ai fait mes études à l'HEC, mais mon intégration au monde professionnel, je la dois plus aux associations auxquelles je fais part. Voilà, c'est la bonne présentation. Je travaille chez Aras actuellement et j'occupe le poste de planeur digital. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la fonction de planeur digital? Sa mission, c'est de construire une marque en ligne. Donc c'est la définition pure et dure. Après, il faut mettre en place des tactiques, des actions pour asseoir la notoriété d'une marque, pour faire des activations, pour faire parler de la marque, engager une communauté autour de la marque et créer du contenu principalement. D'accord. Et comment tu es arrivé dans le monde de la com? Donc tu nous as parlé des associations, mais comment concrètement tu... En fait, j'ai commencé à faire mes petites recherches. Tout découle de la passion pour la pub, de l'intérêt pour la pub. Donc il fallait voir ce qui se passe à l'étranger, ensuite rechercher les grands noms et les chercher en Tunisie. C'était la tactique que j'ai entreprise quand j'étais étudiant. Et après, j'ai connu certains de mes amis qui avaient déjà intégré des agences. Donc je leur demandais comment ça se passait, comment il fallait s'y prendre. Et j'ai commencé ma petite carrière en tant que stagiaire chez JWT. Et donc la petite idée c'était de créer un blog pour parler de ma passion pour la pub, pour mon intérêt pour cette agence et pourquoi j'ai choisi cette agence. Donc voilà, ensuite il fallait introduire ce blog auprès de cette agence. J'ai cherché un complice, c'était Hef. Donc il a fait passer le message. Ensuite j'ai cherché les noms, j'ai rajouté quelques personnes sur Facebook et j'ai commencé à leur envoyer les articles que j'écrivais. Après j'ai réussi à décrocher le premier entretien. Il y avait un processus de sélection, il y avait une sorte d'exercice qu'on me donnait à chaque fois et je faisais mes exercices, je les postais sur le blog, je postais mes impressions sur les interviews et tout ça. Donc après j'ai été accepté au bout de 2 semaines de sélection et j'ai fait un stage de 4 mois pour ensuite aller chez une autre agence qui est Havas Actuel. Et qu'est-ce qui te passionne dans le monde de la com? C'est le fait d'oser, c'est le fait d'avoir la liberté de créer des choses et en même temps d'être rattaché à une réalité marché, d'être rattaché à un comportement du consommateur. C'est le fait d'essayer de libérer sa créativité tout en se soumettant aux limites imposées par la réalité. Et est-ce que tu sens qu'il y a une évolution justement dans ton métier en tant que planeur digital, avant la révolution et après la révolution, avec la poussée de Facebook et la montée de Facebook? La poussée de Facebook, certes, mais il faut bien savoir que la révolution n'a pas commencé sur Internet, elle a commencé sur le terrain. Et Facebook était un élément amplificateur de la révolution, de la révolte, avant que ça ne devienne une révolution. Et après, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à Facebook. Dans les derniers 6 mois, il y a eu une augmentation des Tunisiens de plus de 25%. Donc actuellement, on connaît un boom, on dépasse la barre des 2,5 millions de Facebookers tunisiens. Donc c'est une niche assez intéressante, c'est un terrain de jeu très intéressant pour les marques parce que la cible y est et même la segmentation elle est assez claire. Donc c'est une personne qui sait utiliser un ordinateur, c'est une personne qui a probablement une connexion chez soi, donc on sait à qui s'adresser et le message est plus facile à adapter, donc on peut se libérer de plus en plus sur les réseaux sociaux. Quelle campagne digitale t'a le plus marqué? La campagne digitale. C'est une campagne qui a été faite par Desperados, c'est une marque d'alcool, du Heineken, et qui a personnalisé YouTube et avec des plans subjectifs et tout ça. Il y a toute l'ergonomie de YouTube qui a été changée pour vivre l'expérience d'une fête Desperados. Il y a aussi la campagne de Tipex, où on peut personnaliser le scénario de la vidéo en question. Donc il suffit de taper une partie du scénario dans le titre et la vidéo s'adapte. Quel est ton meilleur souvenir de campagne que tu as réalisé online ou à travers l'agence? Le meilleur souvenir de campagne, c'était on avait un client qui
qui n'avait quasiment pas de sous. Et il nous a fait confiance pour sa communication et on a personnalisé des billboards. Et on avait mis une guitare, un vase et d'autres trucs assez précieux. On avait fait en sorte que les billboards soient surveillés par une caméra. Et on a préparé notre car, on espérait gagner un prix avec. Mais ce qui m'a le plus fait plaisir, c'était que cette vidéo a fait le tour d'Internet et je recevais, c'était très très fort pour moi de recevoir des messages de salutations de la part de certains collègues qui me disent félicitations, c'est la première campagne qui apparaît sur Minute Buzz par exemple. Donc pour moi c'était une satisfaction très 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 forte. Et voilà, après on a des projets en interne, surtout pour l'agence, le fait de lancer notre blog, de parler de l'actualité de l'agence, de parler des travaux de l'agence sur le blog. Pour nous, c'était une sorte de vitrine parce que on est tous des jeunes, on débute nos carrières. Et ce qu'on constate, c'est que les gens ne connaissent pas ce qui se passe dans la pub. Les étudiants sont très très curieux de savoir ce qu'il y a. C'est une sorte de boîte noire quand on ne sait pas ce qui se passe dedans. Donc on essaie de simplifier, de clarifier, pour essayer de pallier au manque d'éducation dans le secteur publicitaire afin d'avoir une approche éducative pour ces étudiants-là. D'accord. Est-ce que vous allez à la rencontre, est-ce que vous allez avoir une démarche où vous allez aller à la rencontre justement des étudiants dans les facs, leur expliquer un peu ce qui se passe dans le monde de la com? Est-ce que votre agence permet à des stagiaires de rentrer et de découvrir? Certainement, on accueille des stagiaires parmi nous. Les stagiaires les plus compétents sont recrutés. Récemment, on vient de recruter une personne qui faisait son stage chez nous. Et il y a des idées d'aller vers les universités, d'essayer de vulgariser le métier de publicitaire afin de faire découvrir ce métier pour avoir plusieurs talents qui pourraient s'intéresser à la pub. Donc on a quelques idées en tête. Actuellement, on est en train de bosser dessus et on aura probablement un événement prochainement qui ciblera les universités. Et si tu avais un conseil à donner pour les gens qui ont envie de se lancer dans la communication, ça serait quoi? Le français. D'accord. Bon, bah voilà, il te reste une minute où tu peux dire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Bon, je ne suis pas un adepte des speeches freestyle. En général, je prépare ce que je dis. Il y a le hack qui fait le clown. Voilà, c'est pour moi, c'est la première interview en tant que publicitaire, une interview vidéo. J'espère que... Voilà, c'est ça. Donc, je suis OR. Non, sérieusement, parce que, en fait, actuellement, le domaine connaît une certaine mutation, surtout par rapport aux marques qui investissent énormément dans la communication, qui investissent énormément sur Internet. Actuellement, on a une diversité dans les partis politiques et chacun mène sa propre communication, ce qui pourra créer de nouveaux budgets pour les agences, et certaines agences peuvent grandir grâce à ça. Et voilà, donc on a un marché qui mute. Qui change, qui évolue. Les associations prennent de plus en plus la parole et avec une association, on a la possibilité de s'exprimer encore plus parce qu'ils veulent choquer, ils veulent impressionner, ils veulent surprendre. Donc il faut profiter de cette circonstance, de ce boom de créativité qui se libère et en faire un bon usage. Ok, merci beaucoup, Angie. Merci à toi.